الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس السابع من السلسلة التي تعتمد على كتب المدينة وهذه الكتب تدرس في الجامعة بالمدينة المنورة من خلال سنتين لطلاب العلم غير ناطق باللغة العربية إذا نواصل مع الدرس السابع إن شاء الله وحدة النشاط والمراجعة فكر ثم أجب فكر سي غفلشي ensuite réponds ماذا تقول عندما تقابل صديقك تقابل on a déjà vu ce verbe là c'est rencontrer قابل يقابل Tuqabilu lorsque tu rencontres. Idhan taqul Indama uqabilu sadiqi aqul Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lorsque je rencontre mon ami, je dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madha taqul inda al-wada'i. Al-wada' c'est au revoir lorsque vous vous quittez. Donc, qu'est-ce que tu dis lorsque tu le quittes? D'accord? Naqulu inda al-wada'i wada'an. Donc, c'est une expression pour dire au revoir. On dit wada'an. Ou bien ila al-liqa, c'est-à-dire à une autre rencontre. Ou bien vous dites assalamu alaykum wa rahmatullah. Ma tahiyyatul islam. Hein, donc, quelle est la salutation en islam? Tahiyyatul islam. Et il y a Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'accord? Ma tahiyyatul Eid. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on. Le jour de l'Eid. Tahiyyatul Eid. Et il y a Eidun sa'idun. Ou bien Eidun mubarak sa'id. Kullu am wa antum bi khayrin. D'accord? Dhahabta li 'iyadati sadiqaka. Tu es parti pour visiter ton ami à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Donc qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on visite un ami malade? رب العرش العظيم أن يشفيك. Je demande à Allah qu'il te guérisse. ماذا تقول عندما تدخل المسجد؟ Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on rentre dans la mosquée؟ أقول عندما أدخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ماذا تقول إذا أردت فعل أي عمل في المستقبل؟ Qu'est-ce que tu dis lorsque tu veux faire n'importe quelle action dans le futur؟ إذا أردت فعل أي عمل في المستقبل أقول إن شاء الله. D'accord? Donc c'est très simple. ثانيا استمع وردد. Là il faut écouter et répéter. Donc ça c'est des expressions très importantes. هي تعبيرات هامة. Des expressions qu'on entend tous les jours. D'accord? تعبيرات هامة. كيف حالك؟ Comment vas-tu? بخير والحمد لله. Très bien. والحمد لله. مرحبا. C'est une expression qu'on dit lorsque on reçoit quelqu'un. Bien, c'est l'équivalent de bienvenue. مرحبا. On
dit aussi ahlan wa sahlan. D'accord? Ahlan bikum, si on s'adresse à plusieurs personnes. Si vous avez plusieurs invités, vous leur dites ahlan bikum. Donc ça, c'est l'expression qu'on dit le jour de l'Aïd. Kullu amin wa antum bi khair. Hein? On espère que toute l'année, vous vous porterez dans le bien. Aïdun sa'idun. D'accord? Ou bien Aïdun Mubarak Sa'id, le jour de la fête. S'il vous plaît, ça va être min fadlik. Si vous adressez à une femme, ça va être min fadliki. Si vous vous adressez à un groupe d'hommes, min fadlikum. Si vous vous adressez à un groupe de femmes, min fadlikunna. D'accord? Donc ça, c'est s'il vous plaît. Tahaninan. Tahaninan. C'est félicitations. D'accord? La astatia, je ne suis pas capable, je peux pas faire. Quelqu'un vous demande quelque chose, de faire quelque chose, vous lui dites je ne suis pas capable, je ne sais pas faire. La astatia. Munasabatun tayyibatun. C'est une bonne occasion. Hein, lorsque on vous propose de faire quelque chose et vous pensez que c'est une bonne occasion de faire cette chose-là, vous dites munasabatun. C'est une bonne occasion de faire cette action-là. D'accord? La usaddiquka. La usaddiq. Je n'y crois pas. D'accord? Lorsqu'on vous dit quelque chose et vous n'y croyez pas. La usaddiquka. La usaddiqka. Je n'y crois pas. Alaysa kadhalik. Là, il y a une faute. C'est pas kulla. C'est kadhalik. Alaysa kadhalik, c'est n'est-ce pas? Quand vous dites une chose et vous dites n'est-ce pas, c'est alaysa kadhalik. Donc, wada'an, c'est au revoir. Et lalliqa, à une prochaine rencontre. Bikulli sururin, avec joie. Hein? Surur, c'est la joie. Bikulli sururin, avec joie. Shukran jazilan, merci beaucoup, énormément. Merci énormément. Shukran jazilan. Waffaqak Allah. C'est qu'Allah te facilite, qu'Allah te donne le tawfiq. D'accord? Waffaqak Allah. C'est une expression, c'est une doua que vous faites à quelqu'un. Thalithan. As'ilatun ammatun. Donc là, c'est des questions en général. Hal al-ma'jahu qaribun min ash-shu'bati? Est-ce que le dortoir est proche du département, de la branche? Donc s'il y a hal, vous répondez par oui ou par non. Une phrase. Aïna tu salli l'jumu'ata? Où est-ce que tu pries le jumu'ata? Dans quelle mosquée? Tu salli l'jumu'ata fi masjidi kada wa kada. Donc vous dites où vous faites la prière du jumu'ata. Kayfa halu walidik? Comment va ton père? Halu walidik. Walid, c'est le père. Walidatun, c'est la mère. D'accord? Waladun, c'est un enfant. Walid, c'est le ism fa'il de Walada, celui qui en c'est le père, d'accord? Kayfa hal walidik? Comment va ton père? Aina tataradda? Est-ce que tu prends le déjeuner? Tataradda, c'est le verbe prendre le déjeuner. Donc vous répondez: Man yu'alijul marida? Qui est-ce qui soigne le malade? Alaja, on avait dit que c'est soigner. Hein, donc c'est très simple. Min aina tashtari l'fakihata? D'où est-ce que tu achètes les légumes? Ishtara yashtari. C'est le verbe acheter, on l'a déjà vu. Donc c'est min al-baqqal, hein, de l'épicier par exemple. Ou bien fissouk, min al-souk, dans le marché. Ma lughatuka? Quelle est ta langue? Donc vous faites les phrases et vous répondez ou vous faites corriger par une personne compétente. Rabi'an. Quatrième exercice. Uktub as'ilatan li hadhihi al-ajwiba. Donc là vous avez la réponse et il faut trouver la question. Haqibatuhu fil fasli. Donc là on a une indication de lieu. Donc la question va commencer par Aina. D'accord? Je ne vous dis pas la réponse, mais ça commence par Aina. Hein, donc son cartable, son sac est dans la classe.
Hua fil masjidi. La même chose ici, on a une indication sur le lieu, donc la question va commencer par Aïna. Donc, il est à la mosquée. Donc la question, ça va être Aïna et la suite. Je vous laisse réfléchir. Jawab ad-daftaru ala al-maktabi. Donc la même chose ici, une indication de lieu. Daftaru, c'est le cahier est sur le bureau. Amam al-musallin. La même chose ici, c'est une indication de lieu. Devant les prieurs. Amam al-musallin. Bihafilatil jamiati. Bi au moyen de. Hein. Donc, bi c'est au moyen du bus. Du bus qui emmène à l'université. Donc ça va être Kaifa. Vu qu'on a une indication sur le moyen. Ana min Bulgaria. Je suis de la Bulgarie. Donc là, ça veut dire une indication. C'est une indication sur le lieu. Donc la question va commencer par Aina. Ou bien min Aina. Anta, par exemple. Ana min Bulgaria. Alal kursi. Sur la chaise. Donc la même chose, c'est une indication de lieu. Donc ça va être Souel. Il va commencer par Aina. خامسا أجب عن الأسئلة الآتية بجمل مفيدة مستعينا بما بين القوسين. Donc là, il faut faire une réponse qui ait du sens en s'aidant de ce qu'il y a entre les parenthèses. متى تحضر إلى الشعبة؟ تحضر, hein, c'est le fait de se présenter. Quand est-ce que tu te présentes au département de la langue arabe, FIR, etc. Donc là, entre parenthèses, il vous met Fissa'ati Sabi'ati wa Nisf à 7h30. Donc vous allez répondre Ahduru ila shu'bati Fissa'ati Sabi'ati wa Nisf. D'accord? Min aina antum, entre parenthèses, biladin mukhtalifatin. Hein? Donc je ne vous donne pas la réponse, c'est très simple. Mata tusafiru ila baladik, entre parenthèses, al-utla. Donc vous allez dire Usafiru ila baladi fil utlati, par exemple. Limadha ji'ta min biladik li ata'allama al-lughata al-arabiyyata. Pour apprendre la langue arabe. Pourquoi tu es venu dans ce pays-là? Pourquoi tu es venu de ton pays, hein, pour apprendre la langue arabe? Donc ça va être simple, hein, vous allez utiliser ce qui est entre parenthèses pour faire la réponse. Vous allez dire jitu min baladi. Ensuite, vous utilisez ce qu'il y a entre parenthèses. Kam baban fil fi faslik. Babun wahidun. D'accord? Donc la réponse, ça va commencer par fi fasli. Et vous mettez ce qu'il y a entre parenthèses. Madhabika. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Madhabika. Soudaun. Un mal de tête, mal de crâne. Donc la réponse ça va être bi pour moi, d'accord? Bi soudan, moi j'ai un mal de tête. Sadisan, ikhtar kalimatan wahidatan min kulli amudin litukawwina khamsa jumalin mufidatin. Vous allez prendre un mot de chaque colonne pour faire une phrase qui ait du sens, mais vous pouvez utiliser qu'un seul mot à chaque fois. C'est facile. Hein. Usalli, ahduru, je me présente. Yafhasu, c'est le verbe examiner. Donc ça va être le docteur. Hein. Yafhasu tabibu, déjà. Ana hal, ila al-fajra, hada al-tabib, a'malu, fi al-marida, fi al-fasli, mudarrisu, al-sifara. Al-sifara, c'est le consulat. D'accord? Al-sifara, c'est le consulat. اللغتي مسجد في السماعة hein, c'est l'instrument qui permet qu'utilise le docteur pour écouter les battements du cœur par exemple السابعة الفرنسية hein, français العربية الجامعة donc vous utilisez un mot de chaque colonne pour faire une phrase par exemple la première ça va être أصلي Al-Fajra fi masjidi al-Jamiati. Hein? Je fais la prière de l'Fajr dans la mosquée de l'université.
Et ainsi de suite, donc vous allez dire ahduru avec un mot de la colonne ba, un mot de la colonne jim, un mot de la colonne dal et un mot de la colonne ha pour faire une phrase qui ait un sens. Okay? Et vous faites corriger par quelqu'un, inshallah. Al-ilmu nurun, donc ça c'est des expressions. Hein? Le savoir c'est une lumière. Allahu Akbar, c'est connu. As-sabru diyaun. Sabru diyaun, donc le sabr c'est la patience. Diyaun, c'est quelque chose qui illumine mais qui est chaud, comme le soleil. D'accord? Pourquoi on utilise cette expression diyaun? Quelque chose qui est lumineux et qui est chaud. Parce que la patience, c'est dur. Donc certes, c'est une lumière, mais c'est quelque chose de dur. C'est pour ça que c'est chaud. On utilise l'expression diya. Car diyaun, c'est quelque chose qui illumine mais qui est chaud. D'accord? Au contraire de la lune. La lune, c'est juste un réflecteur. Ça émet ça réfléchit la lumière, mais c'est pas chaud en lui-même. Par contre, le soleil, ça illumine et c'est chaud. Donc, le sabr, c'est quelque chose. C'est une vertu. Hein, ça émet de la lumière, mais c'est chaud. C'est-à-dire que c'est très difficile. C'est souvent, lors des épreuves, il faut patienter. C'est compliqué, c'est dur. D'accord? Sabian. استعمل الأسماء الآتية في جمل من إنشائك. Donc là, il faut utiliser un mot et faire une phrase avec chaque mot. Al-mustashfa, al-tullabu, al-jami'atu, al-faslu, al-shu'batu, al-salatu, al-adhanu. Ok, vous faites une phrase avec chacun de ces mots-là et vous vous faites corriger par une personne. Inch'Allah. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل